What's going on, guys? Petite vidéo. Alors, ça va être pour surtout les fans de Metal Gear Solid, surtout du 3. Vous allez vous, je pense, vous prendre un couteau, vous le planter dans le cœur et tourner plusieurs fois. Parce que. On va parler des bonnes choses, ok? Parce qu'il y en a quand même des petites bonnes choses. Il y a des petites bonnes choses par rapport à cette vidéo, mais elles sont vraiment petites. Regardez un peu comment Metal Gear Solid 3 pourrait être s'il avait été refait. Genre, voilà, c'est pas du Fox Engine, hein, c'est du. Vous savez, c'est comme le film Final Fantasy Advent Children, c'est de la 3D, tout ça. C'est super beau, c'est super beau. On va regarder, c'est super beau, c'est magnifique. C'est juste ça, bah, c'est ça la bonne partie en fait de cette vidéo. C'est que c'est super beau. Voilà. Donc profitez de ça, ayez ça dans la tête que Metal Gear Solid 3. Snake Eater pourrait être magnifique s'il était refait en 2016 avec Fox Engine ou j'en sais rien, ce que vous voulez, il serait super beau et sûrement le meilleur Metal Gear qui est sorti. Enfin, tout le monde dit que le 3 c'est le meilleur, donc bref. Mais on arrête direct. Je vais laisser la vidéo commencer depuis le début et on va et vous allez mourir. Vous allez regarder un peu de quoi ça parle. Donc, je vais laisser la vidéo tourner, je pense. Enfin non, je vais peut-être parler maintenant, parce qu'après, vous serez sûrement un peu énervé. Donc, je vais parler maintenant, puis après, je laisserai la vidéo tourner. Donc, vous verrez le trailer. Donc, Konami nous l'a fait avec Silent Hill. Hein. On avait un jeu prévu, ils l'ont annulé, puis ils ont fait quelque chose qui sortira que au Japon. Je pense que si ça sortait autre part que le Japon, je pense que tout le monde prendrait des battes de baseball et exploserait ces machines pour ce qu'elles représentent en fait. Donc encore une fois, fuck you Konami, merci d'avoir ruiné la série de Silent Hill et merci d'avoir ruiné maintenant Metal Gear Solid. Donc voilà. Donc bah bonne chance. Éloignez les couteaux quand même. Éloignez les couteaux, les armes à feu, enfin tout ce qui pourrait être dangereux, tout ce qui est contendant. Attention, attention. Bonne chance. C'est 2 minutes. C'est 2 minutes de souffrance. ついに CIA 長官からバーチャスミッションの許可が出た。我々フォックス部隊の存在意義をかけたバーチャスミッションだ。これが成功すれば正式に部隊として編成される。忠誠を誓う儀式みたいなもんだ。気を抜くんじゃない。あくまでも実戦だ。分かってる。で、その記念すべきミッションの内容は、シャゴホッドの開発状況の調査、破壊、そしてザボスの抹殺。ザボスの抹殺。スネーク、やるしかないんだ。わかるな。彼女は敵だ。敵？10年も一緒にいた。ザボスが敵だと。待っていた、スネーク。あなたの誕生、成長、そして今日の決着を。よし。どうしてなんだ。どうして。世界を一つにするためよ。かつて世界は一つだった。だが大戦の終結とともに世界は分散した。コブラ部隊もバラバラになった。共に訓練し共に戦った仲間、私はお前を育てた。お前を愛し、武器を与え、技術を教え、知恵を授けた。もう私から与えるものは何もない。どちらかが死に、どちらかが生きる。生き残った者がボスの称号を受け継ぐ。お互いの忠を尽くせ。さあ、来い。ボスは二人もいらない。ヘビは一人でいい。Donc si vous êtes encore vivant après ça, je suis désolé. Donc une pa pachinko, pachinko machine de Metal Gear Solid 3. C'est où qu'on voit la tombe? On voit la tombe de The Boss. The Boss est mort pour ça. Voilà, The Boss est mort pour finir en pachinko machine. Voilà. La mort,
de Metal Gear Solid, de la série Metal Gear Solid. Donc si vous allez au Japon, restez calme, évitez les pachinko machines, ça risque de vous énerver si vous êtes un fan de Metal Gear Solid. Ça risque légèrement de vous énerver. Et surtout, n'allez pas vers les grands bâtiments où c'est qu'il y a écrit Konami dessus, parce que ça aussi, ça risque de vous énerver. Voilà, c'était tout. Allez-y mollo sur les dislikes de la vidéo. Alors, c'est pas moi qu'il faut blâmer, c'est Konami. En tout cas, voilà, si vous êtes curieux par rapport aux dislikes, parce que je plaisante sur ça, mais si vous êtes curieux, tapez Metal Gear Solid 3, Snake Eater, Trailer, Pachinko Machine sur YouTube. Vous allez voir toutes les vidéos, toutes les dislikes. En gros, la barre, elle est complètement noire. Enfin, dislike. Les dislikes sont quasiment à 100% sur toutes les vidéos. Donc voilà, c'est très drôle, mais c'est très triste. Voilà, désolé pour la nouvelle. À la prochaine, ciao.